ça se passe bien, ça se passe bien. Pas de Dieu, Dieu merci. Et c'est toujours un énorme plaisir que de vous avoir. soucis. Et en toute sincérité, nous sommes en direct actuellement. Ah, vous êtes en direct. Oui, nous sommes en direct. Ah bon, d'accord. Et il y a un élève de la classe qui nous avait posé une question. Après la sortie du procureur de la République sur la justice qui allait être enclenchée, il y a un élève de la classe qui nous a posé un problème, que lui, il a été victime et qu'il a même les séquelles physiques sur son corps. Mais Il a tellement, été victime de rédaction, quoi. effectivement, mais tellement Mais l'espoir pendant des... la désobéissance civile, pendant quoi? La désobéissance civile. Non, la crise post-électorale de 2010. Ah, 2010, Oui, 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 d'accord. oui. Et même si on pouvait aussi rapprocher dans le même cas, j'ai aussi un monsieur qui a perdu trois quarts qui ont été brûlés. Maintenant, le premier concerné me disait que lui, à part les marques physiques qui sont sur son corps, il a été tellement désespéré de voir qu'il n'aurait jamais de justice que lui s'est débarrassé même de toutes les preuves, c'est-à-dire les ordonnances et autres. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir, il y a un cheminement à suivre pour pouvoir poser plainte directement aujourd'hui? Non, pour celui de 2010 là, c'est trop tard. Parce que en matière de crime, il y a ce qu'on appelle en droit la prescription. C'est-à-dire Effectivement. que quand une infraction est commise, il y a un délai pour porter plainte. Voilà, quand c'est les délits, c'est 3 ans. Maintenant, quand c'est les actes criminels, bon, je suppose que peut-être c'est un acte criminel, le fait de truc, c'est 10 ans. Si au-delà de 10 ans, tu ne fais rien, tu n'engages aucune action, tu peux plus saisir. Tu peux saisir, mais ils vont te rejeter ta demande. Ils vont dire non. Les avocats, l'autre, il va prendre un avocat, il va dire non, que c'est prescrit. Même s'il est coupable. Mais le fait que tu n'as rien engagé au cours de ces délais-là, tu ne peux plus saisir la justice. Voilà. Maintenant, pour les cas récents, désobéissance civile, là, bon, nous sommes encore dans le temps, parce que ça date de 2020, octobre, novembre, jusqu'à décembre 2020. Et donc, c'est possible de faire une action, de tenter d'action en justice. Maintenant, quels sont les conseils que Je ne vous sais pas auriez? si vous suivez un peu mon raisonnement. Non, j'ai bien compris. Et moi-même, j'étais conscient de la prescription, du temps de prescription. C'est pourquoi je n'avais même pas voulu prendre le risque de lui dire oui ou non, parce que je voulais que ça sorte vraiment de la bouche d'un praticien du droit. C'est-à-dire qu'en matière de prescription, sauf s'il s'agit de crimes contre l'humanité. Là, il n'y a pas de délai de prescription. C'est imprescriptible. Ce sont des crimes imprescriptibles. Même si tu es un vieux grabataire de 100 ans et que c'est maintenant, on découvre que tu as commis un crime contre l'humanité, on peut te poursuivre. Mais je ne crois pas que. Bon, je ne connais pas sa situation. Hein, mais je ne pense pas que ce soit qualifié comme étant un crime contre l'humanité, tel que vous m'avez décrit ce qu'il a subi. Voilà. C'est les crimes. Donc, ce que vos auditeurs doivent retenir, les prescriptions là. Concernant les autres infractions, il y a une prescription. 3 ans pour les délits, 10 ans pour les crimes. Maintenant, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. C'est-à-dire que là, tu peux saisir, même à 50 ans, après 50 ans, tu peux saisir la justice. Mais les crimes contre l'humanité, c'est les crimes les plus graves, hein. C'est-à-dire génocide, crimes d'agression, et il y a d'autres crimes aussi qui rentrent dans ce cadre-là. Voilà. Donc, Maintenant, voilà la situation. il n'y a pas de problème. Maintenant, aujourd'hui, au vu de votre expérience dans le droit et avec ce que le procureur a annoncé, est-ce que vous pensez que les victimes ont des chances de pouvoir un jour se faire entendre et rentrer dans leurs droits? Les Les victimes. victimes ont le droit de se faire entendre, mais comme on le disait tantôt, il faudrait qu'ils agissent dans le délai. Effectivement. Ils peuvent même intenter une action contre l'État, parce que l'État, qui devait quand même assurer la sécurité un peu partout, c'est vrai que ce n'est pas l'État qui a la responsabilité de ce qui s'est passé, mais il appartenait à l'État, notamment au procureur de la République, d'engager les poursuites contre ces personnes-là. On a constaté que des gens ont été libérés, et comme ça, sans qu'on ne comprenne grand-chose, et qu'on a l'impression que ces affaires-là seront mises sous le boisseau ou dans les tiroirs. Donc, ces personnes-là peuvent tenter une action en justice et puis engager la responsabilité de l'État pour que l'État ne peut pas être condamné à des peines d'emprisonnement. Ça, c'est impossible. C'est une personnalité morale.
mais l'État peut être condamné à payer des dommages et intérêts. Voilà, pour le mauvais fonctionnement de la justice. Ok. Donc, c'est possible. Ok. Ça, c'est bien compris. Et la personne qui avait posé la première question se dit être très satisfaite de votre réponse et c'est tout à notre plaisir que nous vous dirions merci. Et maintenant, aussi, quand on regarde la posture de nos dirigeants, et ça, c'est un peu tendancieuse comme question, est-ce que vous ne pensez pas que nos politiciens, en retardant les processus qui concernent les matières judiciaires, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de laisser le temps faire son effet pour que les criminels ne soient pas poursuivis? En fait, c'est ce qu'on demande chaque fois. Ça veut dire que c'est une prime à l'impunité. Effectivement. Ça veut dire que les gens ont commis des crimes assez graves. Mais pour des arrangements politiques, on essaye de les libérer ou de retarder l'échéance. Bon, la fois dernière, le Bouclier a fait une conférence. Il a estimé que ceux qui ont commis ces crimes sont poursuivis. Le procureur, je vous assure que rien ne se fera. Rien ne se fera parce qu'aujourd'hui, la situation est que si jamais le pouvoir actuel essaie de tenter, les gens vont crier au complot politique, partir, tout ça là. C'est dès le départ, il devait frapper fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Africains avaient été arrêtés là, ils ne devaient pas, sous aucune excuse, les libérer. À partir du moment où ils ont été libérés, même si c'est une liberté provisoire, ils ont été élus députés. Et les Kikawés qui sont sortis, ils ont été même transportés même en France ici pour être soignés. Ils sont libres les mouvements. Mais ça sera quand même contradictoire, un peu incohérent de les poursuivre aujourd'hui. Donc, ça fait que, on passe de perte à profit ce qui s'est passé. Alors qu'il y a des victimes, des gens qui ont perdu, comme le gars là, qui a perdu ses cas là. C'est une victime. C'est une victime, il a perdu ses cas, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, il n'a commis aucun acte, les gens viennent brûler ses cas. C'est une victime. Normalement, l'État devait le dédommager. À partir du moment où l'État ne fait rien, il laisse passer ces affaires-là comme ça par rapport à la situation politique, aux arrangements politiques. Ces personnes-là, je pense qu'il est temps pour eux de s'organiser en collectif, essayer d'attaquer en justice même la responsabilité de l'État. Ok. La responsabilité de l'État. C'est-à-dire que, comme je le dis, je me répète, l'État ne sera pas condamné à faire une peine d'emprisonnement, mais à dédommager. Ok. Et donc, c'est-à-dire que ce monsieur du cas-là, il peut amener la justice à condamner l'État, à l'indemniser par rapport à ces cas qui ont été brûlés, qui ont été détruits. Ok. Je comprends maintenant. Je comprends très bien. C'est-à-dire que, donc, en réalité, ce qui a été fait, c'est juste un coup de communication et un coup de jeu politique. Voilà, un coup de jeu politique. Non, vous avez bien compris, monsieur le Créateur, quand je vous écoute, je sais que vous êtes très outillé, vous avez une expérience, vous savez un peu comment les choses fonctionnent. Effectivement. C'est un coup de communication. Effectivement. En fait, c'est une épée de Damoclès qu'on fait peser sur ces personnes-là, alors qu'en réalité, rien n'est fait. C'est-à-dire que c'est ce que moi je reproche au pouvoir-là. C'est-à-dire que soit on fait la justice, ou on ne fait pas la justice. Voici un individu comme Rafik Defran, qui était très violent, c'est lui qui incitait les gens à commettre des exactions. Il y a eu des crimes, près de 180 personnes qui ont été tuées. Mais ce monsieur, c'est ça qui... Parce que quand on parle de liberté provisoire, c'est que la personne a des garanties de représentation et que la personne a des problèmes de santé. Mais Rafik Defran, quel problème il avait? Bon, sur le dos du truc des victimes, on essaie de faire un arrangement politique, on le met en liberté. Quelques jours après, on le met dans l'avion présidentiel. Le gouvernement présidentiel, on l'envoie au Ghana pour assister aux obsèques de l'ancien président Gadi. Bon, voilà. Bon, ce gars-là, aujourd'hui, se pavane tranquillement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que le procureur a dit, là, est-ce que ça sera cohérent d'être venu arrêter à Figuessa encore? Ça devient contradictoire. Tout le monde va crier au complot, au truc, à la mascara. Donc, il faut que les uns et les autres s'invitent eux-mêmes à la lucidité. Non. Bon, on parle de réconciliation. Moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation sans justice. Parce que quand tu vas interroger les tenants du pouvoir, ça s'appelle les ponts du régime, ils vont dire oui, nous sommes dans une période de réconciliation, machin. Mais le problème, c'est le fait de mettre ces gens en liberté ou de prendre des lois d'amnistie, ça ne fait que. Encourageant quoi? D'autres situations, c'est de tenir le recommencement. Effectivement. Donc, c'est pourquoi moi je salue aujourd'hui la poursuite du président béninois. Je ne sais pas si vous avez écouté son interview sur RFI. Non, pas encore. Non, il a été clair. Il dit, mais
que des gens qui appellent, qui ont décidé qu'il n'y aura pas d'élection et qui ont mis les moyens en place pour essayer de créer de la violence, ils sont arrêtés. Mais vous vous plaignez de quoi? Ils sont arrêtés, ils vont répondre de leurs actes. Il Effectivement. faut être, dans la vie, souvent, il faut être ferme. Voilà. Je sais que le président Ouattara, il est souvent ferme, mais parfois, pour des considérations politiques, il y a un certain laisser-aller. Si tout le monde veut, donc c'est un dictateur ou un 20 ans, bon, je ne sais pas. Il ne faudrait pas qu'il soit complexé par rapport au fait que les gens vont dire 20 ans. Mais des gens qui ont commis des crimes, c'est quand même assez grave. Très grave. Des gens qui ont été tués, des gens qui ont été égorgés pour une affaire d'élection, alors que le Conseil constitutionnel a tranché. Et prenez le cas du Sénégal. Il y avait une affaire de troisième mandat là-bas. Les opposants, ils ont contesté. Dès que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, tout le monde est rentré dans les rangs. Ils se sont préparés, ils se sont regroupés en coalition, ils sont le bas dans les yeux. Mais nos opposants, ils ont refusé de faire ça. Ils ont préféré la belligérance. Inciter les gens à commettre des sensations. Et nous en sommes là aujourd'hui. C'est ce qui est regrettable. Très regrettable. Et Ah, c'est ça. une toute dernière question que j'allais vous poser pour ne pas abuser de votre temps. Vous-même, en Non, tant il n'y a pas de que problème. Allez-y, monsieur. praticien du droit, quand vous regardez Oui. l'avenir de la Côte d'Ivoire avec la posture de la justice qui est trop politisée, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que une telle Côte d'Ivoire vous inspire assez d'optimisme pour les générations à venir si nous continuons à agir ainsi? Ah non, ça. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, félicitations. Oui, non, je disais comme ça, avec cette posture où on passe de perte à profit des situations aussi graves que des atteintes aux droits humains, et qui sont des faits même avérés, et on voit aussi des machinations politiques où la prescription du temps vient balayer les effets et autres, et encore les arrangements politiques. Et quelle est votre perception de l'avenir? Et est-ce que vous êtes serein face à l'avenir, ou bien vous pensez que cette situation, on pourra la changer, et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça? Moi, je pense qu'actuellement, nous sommes dans une situation où la justice fonctionne très mal. Il y a deux poids, deux mesures. Vis-à-vis de certains individus, la justice est impitoyable. Et ça, c'est Je n'ai quel et quels sont ces et quels sont ces pas d'affection particulière pour les souris ou autres. Je n'ai pas d'affection particulière. C'est quelqu'un même que je reprouve son comportement. Il a une tendance même à utiliser les armes en politique. Mais je constate simplement que, vis-à-vis de lui et de ses soutiens, la justice est sans concession. Maintenant, concernant les gens du PDCI, les autres personnes, les autres opposants, comme ceux du PPS aujourd'hui, FPI d'antan, FPI, oui. on est un peu complément. Effectivement. Trop même, je Hein? dirais Des gens comme laxiste. les Katina Kone, qui ont fui avec des milliards, aujourd'hui, ils ont été amnistiés, et même ils ont été intégrés à la fonction publique. Effectivement. Des instituteurs publics, quoi, comme les trucs Boga Sako, qui passaient sur tout le temps sur Afrique Média, à inciter à la haine, à inciter le peuple à la révolte, qui ont encouragé les gens, même lors de la désobéissance civile, se promener tranquillement au pays. Nous avons vu les gens comme on appelle ça, même, le gars du FPI là, qui a démissionné là. Qui est toujours sur Internet, j'ai oublié son nom là. Jean Bonnet. Jean Bonnet. Jean Bonnet était le porte-parole de Afrique-Essence. On a vu les discours de Jean Bonnet. Jusqu'à même, il a publié sa page des points gammés, tout, tout, tout. Mais Effectivement. ce gars-là, là, celui qui change un peu d'avis et qui prend la parole ou il fait des publications qui caressent un peu dans le sens du poil le pouvoir, tout est abandonné. Et vous allez voir nos militants qui vont en pagaille, même sur sa page-là, en train de le féliciter. Et alors que effectivement. c'est ceux-là qui ont incité les gens à Effectivement. commettre des exactions. Maintenant, concernant les souris, j'ai une haine même, entre guillemets, pas une haine forcément. En tout cas, vraiment, je suis très contre, je suis contre même ces gars-là. Mais j'ai l'impression que le pouvoir est plus sévère vis-à-vis de ceux-là. Voilà l'autre qui a été arrêté la fois dernière, et c'était Alhaji Traoré. C'est vrai, tout ce qu'il a dit, c'est des propos qui sont condamnables. Mais au pays, il y en a qui font pire que ça. Il y a d'autres qui font pire que ça. Voilà. Donc, ils sont pas inquiétés. Voilà. Donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, il faudrait que la justice soit impartiale. Effectivement. Quel que soit le camp, celui qui commet des infractions, surtout les infractions politiques, parce que c'est en matière d'infractions politiques qu'il y a des milliers de morts. Il ne faudrait pas qu'on joue à ça. Si aujourd'hui le Rwanda est un pays tranquille et que c'est vrai qu'il n'y a pas de démocratie en tant que telle,
Si tu vois que, je vois aujourd'hui que le Rwanda était pays de Poutine, parce que ce monsieur-là, il ne bandit pas avec ça. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent inciter à la haine, ils ont automatiquement, systématiquement arrêté, jugé et condamné. Ça fait qu'il y a une tranquillité là-bas, personne ne peut s'hasarder. C'est quand on fait en Côte d'Ivoire, personne ne peut s'hasarder à faire ça là-bas. Donc, c'est vous, éclaireurs, nous autres, qui devons inciter le pouvoir à vraiment faire preuve de vigilance et de fermeté en matière de justice. Mais il faudrait que ça soit impartial. Effectivement, c'est très important. C'est pourquoi j'apprécie votre émission et ne vous laissez pas intimider parce que nos militants, nos frères, et ils sont quand même très bipolaires. Il suffit de mettre une petite critique, ils vont venir t'insulter. Effectivement. Ils vont te traiter de vendus. Ça dit, j'oublie tout le combat que tu as mené. Effectivement. Vous-même, vous avez été victime de ça. Beaucoup. Oui. Et la celui que vous avez eu à faire une petite erreur. Il y a eu un quiproquo concernant le coup d'État du Mali. Vous avez vu comment les gens sont venus vous agresser. Effectivement. Vous insulter. Effectivement. Voilà. Effectivement. Voilà. Alors que vous pouvez comprendre que l'éclaireur, c'est quelqu'un qui éclaire et qui a des positions quand même très utiles. Bon, ça, peut-être que y a un malentendu. Voilà. Donc, ne vous laissez pas influencer. Essayons de nous battre pour qu'il y ait réellement justice, que la justice soit vraiment indépendante et qu'on fasse preuve de fermeté. Ça fait près de 30 ans, c'est la même situation. Chaque fois qu'il y a élection, il y a toujours des montants. Donc, il faudrait que ça cesse. Voilà, il faudrait que ça cesse. La seule manière que ça cesse, c'est qu'arrêtons de faire voter les lois d'amnistie, appliquons la loi. Ceux qui ont commis des crimes, là, il faudrait qu'ils soient jugés. S'ils sont coupables, ils sont condamnés. Vous allez voir, si on fait ça pendant des années, ça va cesser. Les gens seront vraiment respectueux. Effectivement. Et comme au Ghana, comme dans d'autres pays, la démocratie va s'installer en Côte d'Ivoire et qu'on va éviter tous ces morts d'hommes. Effectivement. Voilà ce que je pense. Vraiment, merci beaucoup. Et pour ajouter un peu à ce que vous aviez dit, moi, personnellement, voici ce que je pense. Je pense qu'en tant que communauté humaine, je parle des Ivoiriens, nous avons un devoir de mémoire à léguer aux générations futures. Et aujourd'hui, si nous leur faisons, si nous leur donnons en héritage notre incapacité à créer des conditions d'une justice, est-ce que l'histoire même du pays ne sera pas tronquée? Que les criminels vont tellement prendre confiance que si par un concours de circonstances, ils se retrouvent à la gestion, demain, c'est ceux qui ont été laxistes, je vais dire les dirigeants actuels, parce qu'ils n'ont pas donné une conduite claire en matière de justice. Est-ce que demain, les criminels ne vont pas vouloir réécrire l'histoire pour dire qu'eux n'ont jamais rien fait? Mais c'est plutôt ceux qui étaient à cette époque-là, la gestion, qui n'ont jamais rien fait. Éclaireur, je ne te coupe pas la parole, mais aujourd'hui-là, bien qu'ils ne soient pas au pouvoir, bien qu'ils soient loin du pouvoir, mais est-ce que tu les attends? Est-ce que vous les attendez? On les entend très bien. Quand on les attend, c'est comme s'ils n'ont rien fait. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont été victimes. Il y en a même qui disent que si le 6 se transforme en 9 ou le 9 se transforme en 6, on va voir. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu là, c'est rien. Les gens cherchent à même à faire pire que par le passé. Effectivement. Parce qu'il y a eu plein, il y a eu de l'impunité. Il y a eu de l'impunité. C'est-à-dire que celui qui a été transféré à la CPI, mais au lieu de faire un travail correct, un travail concret, ils ont été légers, ils prennent des témoins farfelus, des témoignages de complaisants, des témoins de complaisants qui vont raconter n'importe quoi là-bas. Donc le monsieur, il a été libéré pour le bénéfice de tout. Ils ont estimé que les preuves sont très légères. Alors que nous, on a tous vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Effectivement. Même le procureur d'antan, il avait dit, mais les crimes que vous êtes en train de commettre là, ça relève de la compétence de vos paquets. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ceux-là se font passer pour des victimes. Il dit oui, bon, si ils ont été acquittés, c'est que c'est l'autre cas qui a commis les crimes. Effectivement. Voilà où on en est. Et c'est en même temps un avertissement pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Si vous ne mettez pas les conditions d'une justice équitable et accessible à tous, demain vous serez non seulement comptable de votre incompétence, mais vous serez aussi comptable du travestissement même de l'histoire, parce que ce sont les criminels qui écriront l'histoire du pays. Et ça, c'est clair. Et ça, il faut qu'on leur dise ça actuellement. On ne peut pas jouer avec la justice. Et c'est très important. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. On joue avec la justice. C'est-à-dire que la justice, c'est selon la tête du client. Soit on applique soit on fait la justice ou on ne fait pas la justice. Effectivement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser des gens qui ont appelé au meurtre, qui ont incité les gens à la violence. Il y a eu des morts d'hommes. Vous les laissez en liberté. Et il y a certaines personnes que vous prenez, vous les mettez en prison. Mais parmi ceux que vous mettez en prison, vous laissez ceux qui ont tendance à vous soutenir, vous les libérez. Et les autres sont laissés pour compte. C'est pas bien. C'est pas bien.
Voilà, moi, je soutiens ce régime, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même quelques problèmes. Il y a beaucoup de problèmes en matière de justice. La justice, il y a quand même un seul problème. Il y a une Voilà, défaillance il y a un seul criarde. problème. Ok. Et maintenant, J'ose espérer, oui. comme il semble-t-il qu'il y aura un nouveau gouvernement, bon, les gens vont parler de ça, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ose espérer que, de toute façon, le président va prendre la plus grande chose à peine. Il a fait ses deux mandats, il est en train de Effectivement. faire un premier mandat de la Troisième République. Donc, je souhaite qu'il soit vraiment rigoureux, qu'il soit ferme en matière de justice. Il a commencé déjà à travers les audits. Ça, c'est bon, ça a salué. Mais Ça a salué avec sa qu'est-ce que première vous ligne de bras. pensez Mais de la déclaration du ministre sur le plan de pénal, il faudrait qu'il soit. Il exerce la même fermeté. Parce que moi, les déclarations du ministre de la Communication ce soir m'ont un peu déçu. Quand il disait comme ça que les preuves d'audit ne sont pas des choses qu'on devrait mettre sur la place publique. Et moi, ça m'a donné personnellement un sentiment, parce qu'aujourd'hui, les conséquences touchent tout le public. Quand Oui, tout à fait, quelqu'un... tout à fait. Voilà. Et donc, de telles choses, pour que le gouvernement ne soit pas un jour pris comme, j'ai des complices même de ces personnes-là. Certes, on ne dit pas de nous donner tous les détails, mais au moins, il faudrait que l'évolution juridique de ces affaires-là, tout le monde soit mis au même pied d'égalité. Et moi, quand j'ai Ah, mais ça, c'est entendu vrai. le ministre de la Communication dire que ce n'était pas quelque chose qui devait être mis au grand jour, ça m'a beaucoup fait froid dans le dos, sincèrement. Non, il n'avait pas. En fait, il y a souvent des erreurs de communication. Un audit, là, ça doit être rendu en public. De Effectivement. faire même de cacher ou de Effectivement. masquer l'audit, ça veut dire que vous, les partis, vous voulez protéger Effectivement. certaines personnes. Effectivement. Et donc, ça veut aussi dire, Voilà. peut-être par ricochet, qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats spectaculaires. Ah, mais si c'est caché, ça veut dire qu'on ne veut pas que le peuple le sache. On ne veut pas que le peuple. Si vous avez fait un audit, à partir du moment où l'audit a été fait, le rapport a été rendu au président de la République, au gouvernement, il faudrait que ce soit public. Parce Effectivement. qu'au moment où on faisait l'audit, tout le monde a été informé. On sait qu'il y a un audit qui a été fait. Mais pourquoi maintenant cacher les résultats? C'est qu'on est en train de biaiser même la situation. Effectivement, Il effectivement. faut rendre ça public. Donc ceux qui sont coupables soient jugés. Voilà, on les condamne soit à des peines d'emprisonnement ou à rembourser tout cet argent-là qui a été détourné. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Ça, c'est le minimum. Hein. Il ne s'agit pas de les enlever à leur poste et puis les laisser comme ça. C'est vrai que c'est des gens peut-être qui ont lutté, qui sont des militants, machin, mais c'est pas ça. Nous parlons de la République du Côte d'Ivoire. Effectivement. Ce n'est pas une affaire de copinage, une affaire de militantisme. Les biens qui ont été donnés, c'est les biens du contribuable. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Que tu sois RHDP, FPI, PPACI, PDCI, nous sommes tous des Ivoiriens. C'est le fruit de nos impôts. Quand on Effectivement. travaille, les impôts qu'on nous prélève, quand on fait des achats, les taxes qu'on paye, c'est ça qui constitue le budget. Donc, quand on confie à des gens, il faudrait que ce soit géré comme des. Ils gèrent ça comme des bons pères de famille. À la partir du moment où il y a quand même des détournements, il va falloir que ces personnes-là soient condamnées à rembourser. On saisit leurs biens pour que ça soit remboursé. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup. Et avant de Oui. vous laisser, j'allais d'abord faire votre Oui. présentation à ceux qui ne vous connaissent pas. Et surtout, vous allez me permettre de lire ce qui était entre vous et moi aujourd'hui. Vous avez dit ceci de Oui. façon spontanée. Éclaireur, n'hésitez jamais, au cas où vous le souhaiteriez, que j'intervienne personnellement dans l'une de vos émissions. Ce jour, c'est un jour ou l'autre, et sur n'importe quel sujet de droit, ce sera avec un plaisir renouvelé. Et ça, c'est un message que vous m'avez adressé. Et je vous dis, cher aîné, merci du respect que vous m'accordez. Et moi, j'aime le dire ainsi, quand je me sens profondément dans quelque chose, je parle comme ça. Je dis, le respect que vous m'accordez, que Dieu vous accorde cela, mais qu'il accorde 10 fois cela à vos enfants et à vos progénitures. Merci beaucoup, éclaireur. Avec toutes les Sincèrement, bénédictions vous le méritez. qui vont. Vous faites vraiment un bon travail de conscientisation, de formation des masses. Parce que l'ignorance est une maladie pour nous les Africains. Pour ne pas trop prendre votre antenne en otage, vous voyez ce qui se passe au Mali. C'est l'ignorance qui est à la base de tout ce qu'on assiste. Effectivement, C'est-à-dire que effectivement. déjà, une décision qui a été prise par 15 pays. Le président Ouattara n'est pas le président de la CEDEAO. Il n'est pas le seul à avoir pris la décision. Mais des gens qui sont manipulés, des ignares, des analphabètes, se lèvent et ils passent leur temps à l'injurer, à l'insulter.
comme si c'était lui qui représentait la CEDEAO. Bon, tout ça, c'est l'ignorance. C'est pourquoi ces genre de mission-là permet de former, de conscientiser les masses. En cela, je vous tire mon chapeau. Continuez, vous faites de très bonnes émissions. Lorsque j'ai le temps, j'écoute souvent. Franchement, c'est intéressant. Et puis les thèmes, ce sont les thèmes d'actualité. Donc, on ne peut que vous encourager, vous remercier, vous féliciter pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage à vous. Merci et continuez. Ne soyez pas complaisés. J'insiste dessus. C'est-à-dire que le sujet que vous passe par la tête, même s'il s'agit d'égratigner le pouvoir, on sait qu'on soutient tous le régime en place. Mais nous, le souhait, c'est que demain, M. Ouattara, le président Ouattara, soit considéré comme un. Après, il faut bannir le président qui a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pour l'aider à rentrer dans l'histoire. Effectivement. On n'est pas contre lui. Donc, souvent, on a amené à faire des critiques. Il faudrait que les gens acceptent ça. Voilà. Donc, sur ce, je n'ai pas monopolisé l'antenne. Je vous souhaite bon courage. En tout cas, continuez comme ça. Et je pense que vous faites de très, très belles choses pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur. Vous passez une excellente soirée. Que Dieu nous merci protège tous et qu'il nous accorde ses grâces. Merci beaucoup. Et puis je salue tout le monde. Merci tous beaucoup. Les auditeurs. Merci. Merci et beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et donc, chers auditeurs et chères auditrices, vous voyez que nos émissions, c'est toujours de nouvelles réalités. Et c'est le docteur Youssouf Meïté, avocat au barreau de Paris, avec des résultats à l'appui. C'est pas un avocat de pacotille. Et bientôt, il va venir servir en Côte d'Ivoire. On ne va pas vous donner tous ces détails-là. Et de son temps, il en donne pour nous conscientiser, pour nous dire ce que nous ne savions pas dans le domaine du droit. Et la dernière fois, quand je n'avais pas voulu parler, c'était surtout la période de prescription des crimes. Je ne maîtrise pas cette période dans les lois de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je n'avais pas voulu parler. Et le docteur a été plus que clair et il allait même au-delà de ce que nous espérions. Et je dis merci. Je dis merci à tous les élèves de la classe pour l'excellent travail que vous faites et que nous faisons ici chaque soir. Et continuons à en croire au gouvernement. Aujourd'hui, il y a un article qui est très important. À partir du 22 ou le 21 de ce mois, le Premier ministre va apporter un programme d'assistance économique aux jeunes des régions sinistrées. Et en début d'émission, j'ai montré la portée positive et je vous ai aussi dit que un des carburants du terrorisme ou du grand banditisme, c'est le sentiment de se sentir hors du gouvernement ou distancié du gouvernement. Aujourd'hui et demain, qui pourra encore dire parmi les jeunes de ces régions-là que le gouvernement ne s'est pas rapproché de ces populations? Je l'ai dit et je l'ai clairement évoqué. Nous-mêmes, on a eu, Sundiata, moi et le roi du printemps, on a eu à faire des propositions du genre qu'on a transmis à la présidence et on a vu l'ASPR en train de mener des actions avant les œuvres officielles du gouvernement. On a vu aussi Miss Belmonde faire ça. On a vu aussi, je crois, Mamadou Touré aussi aller dans ces zones-là. Même si je n'ai pas beaucoup... voilà, vous savez, mais quand quelqu'un fait quelque chose que tout le monde voit, il faut dire la vérité. Parce qu'en réalité, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, nous autres, on a eu la chance de connaître notre culture africaine et on a eu la chance de connaître la culture occidentale. Et ça... Quand tu fais la somme et que tu en tires un résultat, tu deviens un individu qui reste toujours au milieu et qui veut toujours voir les choses comme elles devraient être. Et c'est ça qui gêne beaucoup de personnes. Et vous ne pourrez pas nous comprendre. Nous n'avons pas quelqu'un spécifiquement que nous pouvons haïr. Mais ce sont les faits que nous établissons. Et aujourd'hui, au vu de ce que le docteur vient de dire, je crois que les choses sont assez claires. Mais nous devrons continuer à nous battre. Nous devrons continuer à faire cette lutte-là. Comme disait Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et notre vie doit mériter d'être une vie bien vécue parce que nous avons mené un combat. Et nous le faisons avec le docteur Ouattara. Continuons à le faire. Regardez la qualité des intervenants qui passent. Regardez Madame Aki qui vient donner des sujets. Regardez les confrontations intellectuelles que nous faisons. C'est ça, ce monde-là que nous voulons apporter. Regardez la qualité même des intervenants qui passent. C'est le docteur Youssouf Meïté, tout le monde peut vérifier, avocat au barreau de Paris, enseignant à l'université de Korogo, qui est venu nous élucider sur beaucoup de questions.
qui permettent à travers ces réponses de comprendre tout. C'est vraiment très important. Remarquez aussi les sujets d'analyse de Sundiata et autres. Soyons fiers de nous-mêmes. Continuons à faire ce que nous avons à faire. Je crois que si Laurent Gbagbo n'a pas pu nous inquiéter, ce n'est pas des individus qui vont pouvoir aujourd'hui nous faire peur. Nous, là, on a vu pire que tout ça. Des gens qui ont affronté les soukoïs de Laurent Gbagbo. Vous pensez que ces gens-là, c'est des mots qui vont les effrayer? Pratiquons la justice. Faisons ce qui est utile et laissons le reste à Dieu. Aujourd'hui, ce qui nous réunit là, c'est un seul homme, Alassane Dramane Ouattara. Faisons le travail pour que le vieux se sente dans sa dignité, pour que le vieux réussisse. On peut avoir des cheminements différents, mais prenons le temps d'écouter les uns les autres et de respecter le travail des autres. Nous, nous sommes une plateforme de réflexion. Et si on nous retire notre capacité de pouvoir réfléchir, et si on veut que nous soyons des militants qui sont influencés à la base pour suivre, en ce moment, nous, notre militantisme n'a aucun sens. Mais à l'intérieur du parti, vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition. Mais s'il n'y a pas de force de proposition et de force même pour essayer d'amener les choses dans un certain sens, on va aller dans les abîmes. Regardons aujourd'hui, de par les critiques que nous portons, nous arrivons à avoir des effets et à faire changer certaines choses. Mais maintenant, allons dans un cas de figure où toutes ces réalités-là, personne ne les critiquait. Imaginez-vous combien de fois la situation aurait été encore pire. Voilà ce qu'il faut regarder. Et donc, nous, ça ne nous gênera pas. Ce que ça gêne, nos critiques, je crois qu'on est suffisamment responsable. Quand on les évoque, on donne les raisons. Et comme on le fait, quand on veut donner nos avis, on donne nos avis. Mais on les met à la place du monde et à la place publique pour que tout le monde puisse apprécier. Et nous sommes les seuls, je le dis bien, parmi tous les militants du RHDP, beaucoup crient, beaucoup disent ce qu'ils veulent dire, mais ils n'auront jamais le courage d'aller au parti pour dire voilà ce que nous, on ne se cache pas, voilà ce qu'on reproche. Et c'est pourquoi nous avons été les seuls à qui le gouvernement de la Côte d'Ivoire a demandé, faites vos propositions que nous allons ajouter à l'annexe. Parce que ce monsieur-là que nous suivons là, c'est un père pour nous, mais c'est un symbole pour nous. Et celui qui ne sait pas respecter ces symboles, ce ne sont pas les autres qui vont venir les respecter à leur place. C'est parce que si Laurent Gbagbo a échoué, ce n'est pas parce qu'il n'a pas certaines qualités en lui. Tout être humain a des qualités comme des défauts. Mais c'est parce qu'à un moment, ses partisans ont fermé les yeux sur ses mauvaises actions, au point qu'à un certain moment, il a perdu le contact avec la réalité. Et c'est ce que vous voulez qu'on fasse au président Ouattara? Dire que tout est beau, et après on se rend compte que tout n'est pas beau, et vous voulez que nous, on se taise là-dessus? Nous, on ne le fera jamais. Et le destin de chacun est entre les mains de Dieu. Ce que nous, on mérite là, que ce soit avec les humains ou pas les humains, nous, on va le mériter. Et le jour de notre mort là, il n'y a personne sur cette terre là qui peut empêcher Dieu de prendre notre âme. Comme si Dieu aussi dit qu'on ne va pas mourir, vous allez tout faire, vous ne pourrez rien faire. Et donc, ce qui est le plus important, essayons, comme l'a dit Maître Meïté, de mettre les détracteurs en difficulté pour que dans les 20, 30, 40 ans à venir, on puisse avoir des difficultés à trouver quelqu'un qui a été aussi efficace que Ouattara dans la mutation positive de notre société. Voilà ce que nous demandons. Quand on dit comme ça que nous souhaiterions que Mamadou Touré ne soit plus devant les jeunes, ben, on n'est pas venu dire ça comme ça un coup. On a dit, Mamadou Touré, tu as passé un bon moment à ce ministère. Quelles sont les activités que tu as eu à faire? Il dit qu'il en a fait. On allait sur son site. On voit que les informations ne sont pas cohérentes. On demande ces informations parce qu'on va les vérifier avec la réalité et venir lui dire, bon, voilà ce qui ne marche pas. Ou bien, voilà la réalité. Mais on aurait pu directement se baser sur les critiques des autres et dire certaines choses. Combien de messages de délation recevons-nous? Mais nous, on s'en fout de ça. On n'a jamais, vous pouvez prendre toutes nos émissions, on n'a jamais pris une émission pour dire qu'on nous a dit. Tu ne peux même pas essayer. Ce travail-là, on a passé beaucoup de temps et tout le monde sur la plateforme comprend aujourd'hui. Quand tu dis quelque chose, tu dois donner la source. Et aujourd'hui, tout le monde a pu quand même dépasser ce niveau-là. C'est très important. Et ce que je vous demande, chers élèves de la classe, soyons conscients de nous-mêmes. Appelez tous nos parents qui sont dans les zones où il y a des velléités de terrorisme. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri.
Dites-leur que le gouvernement est avec eux. Et ce n'est pas que moi, je suis en train de faire le travail du gouvernement. Patrick Achi va aller, le Premier ministre, dans ces zones-là. C'est que nos parents voulaient, qu'ils nous ont dit et qu'on a dit aux gens du gouvernement, ils vont venir mettre des programmes pour aider les jeunes. Et les actions sociales vont continuer. Et c'est très important. Moi, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en matière de sécurité en Côte d'Ivoire, je préfère toujours mettre la carte du, comment on appelle, du Nigeria, puisque le Nigeria est l'un des pays avec l'histoire de Mohamed, Youssouf Mohamed. Quand tu regardes très bien l'évolution du djihadisme au Nigeria, tu comprends automatiquement la manière de réagir des djihadistes des autres pays. Et je l'ai dit, si on a pu réussir, et si tu peux lire l'histoire de Maïdougouri, si tu peux lire l'histoire générale, regarder l'évolution, tu peux automatiquement contrecarrer. Et la première faiblesse du gouvernement, c'est de n'avoir pas été là pour écouter la population, c'est de n'avoir pas été là pour essayer de combler le vide. Et c'est toujours ce vide-là qui est la meilleure arme du terrorisme. Et quand le gouvernement mène cette action-là, nous ne devons que les féliciter et dire à nos populations, n'accueillez plus les gens par sympathie religieuse dans les mosquées. Parce que là où il y a le terrorisme, c'est quand vous les hébergez, ils vous explosent dans ces mêmes mosquées. Et ça, on n'a pas besoin de vous montrer les exemples. Allumez vos télévisions, vous verrez. Quand vous allumez les bombardements de Kerbala, et ils sont tellement méchants, ces terroristes, c'est eux qui ont tué les arrière-petits-enfants du prophète. Ce sont ces mêmes criminels-là qui ont tué les petits-fils du prophète. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent représenter l'islam. C'est méchant. C'est méchant. C'est un exemple que je vous prends. Mesdames et messieurs, on ne pourra pas tout dire. Je vous dis merci. Avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est dans une bonne marche. Tout n'est pas parfait. Loin de là. On a parlé même d'Orange et des pressions de l'AFD pour saboter. Le maillage des comment on appelle des câbles pour l'internet. Tout ça, ce sont des combats que nous devrons mener. Ne pensez pas que ce que nous disons passe directement dans le vide. Et nous le disons et nous le recommandons fortement au président de la République. Je ne sais pas, mais le ministre de la Justice actuel, nous on n'aimerait pas le voir. Ils peuvent le nommer, mais nous, selon nos propositions et au vu de l'inefficience de ces personnes-là, il aurait été souhaitable que ces personnes, on peut les mettre quelque part d'autre, mais ne les prenez pas pour venir représenter les Ivoiriens dans des secteurs ministériels. Le ministre de la Justice a suffisamment fait ses preuves d'incapacité. Sidi Touré, même chose. Mamadou Touré, même chose. Et encore, il y a une autre personne que j'oublie le nom. Et ça, nous, on va préférer dire ça directement. Si le président veut, il peut les nommer. On va regarder, mais on va critiquer durement. On va critiquer durement. Et donc, nous, on assume ce qu'on dit. Parce qu'un homme, quand tu veux être vrai, faut pas chercher à plaire à quelqu'un. Mais en même temps, tout se fait dans le respect. Et tout se fait sur la base des preuves. Et si le président les reconduisait, ce serait une prime à continuer l'inefficacité de ces secteurs-là. Et quand nous avons proposé, nous n'avons pas seulement dit de les enlever, on a proposé, plutôt que d'avoir un ministère de la justice, un ministère de la bonne gouvernance, aujourd'hui, dans le remaniement qui doit être fait, peut-être ça devait être aujourd'hui jusqu'au vendredi, on verra, il faut que certains ministères disparaissent parce qu'il y a trop de ministères qui s'entrechevauchent entre eux-mêmes. Finalement, il n'y a jamais qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et donc, tout ça là, on n'a qu'à nommer ça ministère de la Justice et puis maintenant donner ça à Zorobi Balo, comme lui on le connaissait avant là. Si lui n'a pas encore changé, on va le tester à nouveau. S'il arrive à remplir son rôle, c'est bien. On continue. Peut-être dans ce même ministère-là, il suffit de déléguer certaines personnes et on leur donne des dossiers clés avec des résultats à l'appui dans le temps. Voilà ce que nous on propose. Nous, on ne vient pas parler pour parler. Au niveau de la jeunesse, aujourd'hui, il faut regarder, est-ce que Da Sansan représente les jeunes? Les jeunes ne le connaissent même pas. Est-ce que Mamadou Touré a fait son travail vis-à-vis de la jeunesse? Ce n'a pas été fait. Et quand on se pose la question, aujourd'hui, qui peut dignement représenter les jeunes?
en termes de valeur morale, mais surtout aussi politique. Parce que ça compte. Il faut mobiliser. La présence d'un vrai représentant des jeunes seul doit être suffisante pour mobiliser au-delà de son parti. Mais quand dans notre propre parti, même on dit Mamadou, on ne le connaît même pas. Ce n'est pas chez les autres on va le connaître. Lui-même dans sa propre ville, où il dit qu'il est originaire d'Aloa, les jeunes filles pour aller se tuer sur l'eau. L'exemple, tu n'as pas besoin d'aller loin pour connaître certains exemples. Et donc, ils ont assez eu de leur temps pour montrer leurs preuves et leurs incapacités. Passons à autre chose, c'est vraiment important. Cette plateforme-là, nous sommes RHDP, mais nous préférons être dans la lucidité et nous mettre au-delà des sentiments. Dieu merci, nous n'avons pas besoin de pain et de croûte provenant de qui que ce soit pour ne pas être capable de dire notre parole, mais toujours dans le respect. Si, je le dis très bien, si nous n'avons pas pu obtenir tout ce qu'on va obtenir avec le président Ouattara, là, dans les 20 années, 30, 50 années à venir, là, ça sera ça les acquis qu'on va conserver. Après le président Ouattara, là, la Côte d'Ivoire va se figer. Moi, je préfère dire la vérité, hein. Avec l'état moral du peuple ivoirien, avec le niveau de corruption, avec le désordre qui est installé dans les mentalités collectives, tout ce qu'on est en train de rechercher, si on ne les obtient pas avec le président Ouattara, ça sera exactement la même chose. Pourquoi je le dis? Parce que connaissant la puissance d'influence d'Alassane Ouattara, connaissant son expérience dans la gestion humaine, si lui a eu toutes ces difficultés-là, et un apprenti comme éclaireur, ou bien quelqu'un qui n'est pas comme Ouattara, est-ce que tu pourras? Et regarde lui-même qui est un grand maître, qui a géré le monde à travers le FMI, qui connaît la gestion humaine, qui connaît la gestion économique, qui sait comment prendre les gens, qui a accès à toutes les informations. Mais regarde ce que les gens ont fait autour de lui. Imagine maintenant quelqu'un qui n'a même pas les un quart des compétences à tous les niveaux du docteur Ouattara. Qu'est-ce que ça va donner? À un moment, la personne va se dire, il va devenir un politicien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus d'ambition que de gagner une élection. Et il s'en foutra du reste. Et donc voilà la Côte d'Ivoire que nous aurons après Ouattara. C'est malheureux, mais c'est ce qu'il faut dire. Parce que moi, je le dis clairement, il n'y a pas d'Alassane Ouattara qui est en train de se révéler. Quand Ouattara est venu là, il n'est pas venu lui-même dans la politique, c'est Oufo qui allait le chercher. Mais quand il est venu là, en 92, là, quand Oufo lui a dit, il faut m'aider là, mais il a montré qui il était. Il a tué son père. Il a révélé sa nature pour dire voilà ce que je peux. C'est ça. À un moment, il faut pouvoir se surpasser pour montrer qui tu es. Et en l'état actuel, là, il n'y en a pas. Il n'y a pas encore de surhomme. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a, dans le gouvernement même de Ouattara, ou même autour de lui, là, il n'y a pas un garçon encore qui est prêt à se surpasser et à montrer que moi, là, je peux. Et c'est en cela même que j'allais dire ceci au ministre de la Défense, Tene Brahima. Tene Brahima, vous êtes un père. Et si vous m'entendez, moi je vais vous dire ceci. Tu es le petit frère de Ouattara, ça c'est ton problème. Si tu penses que tu peux diriger ce pays-là, si tu es un Ivoirien là, il faut prendre ton destin en main pour commencer à te montrer. Parce que tourner à côté là, si tu sens que tu as les capacités, il faut te montrer. N'ayons pas honte. Avant ton grand frère là, tu vas vivre. Après ton grand frère, tu vas vivre. Vous n'êtes pas né collé. Et donc, à un certain moment là, aujourd'hui, tu arrives à assurer la sécurité du pays. Et ça, moi, je dis, je juge toujours les gens par expérience. Quelqu'un qui peut assurer la sécurité du pays peut au moins. Même s'il n'assure pas les autres choses, si déjà nous sommes en sécurité là, ça c'est suffisant pour moi. Et au nom de cette capacité de pouvoir assurer la sécurité du pays aujourd'hui, ténébrement, les autres vont te mentir pour dire non, 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 moi je t'ai dit, moi éclaireur là, si tu sens que tu es ivoirien, le reste ça ne m'intéresse pas. Frère de Ouattara, s'il fait ça, les gens vont penser, prends ton destin en main. Faut commencer à nous dire que tu veux être candidat. En tout cas, moi j'aurais aimé ça. Ça n'engage que moi. Et pourquoi je le dis? Parce qu'au moins, tu sais comment tu vas mater ces terroristes. Et si le président avait accepté les ministres voleurs qui ont volé l'argent,
Toi, tu avais souhaité qu'on les mate. C'est le président qui a joué avec ça. Et nous, c'est comme ça, quelqu'un comme ça qu'on cherche. Un homme qui va venir nous redresser. Et donc, les gens vont mentir parce que d'autres ont du pain. Ou même, ils vont gagner à manger avec toi. Mais si moi, je pouvais te voir en face, moi, ce que je t'ai dit là, c'est ce que j'allais te dire en face. Je ne sais pas, peut-être que tu vas entendre, peut-être que tu ne vas pas entendre. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, moi, je t'ai dit clairement ce que je pense. Ton destin, et puis pour ton grand frère, n'est pas lié. Mais c'est ton expérience qui nous intéresse. Ton expérience dans la sécurité de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas mettre aujourd'hui un président qui veut voir les nageurs au dos nu et puis eux vont dire, non, il faut les laisser s'ils viennent, on va essayer de négocier avec eux. C'est ça que je respecte en toi. Je m'en fous des liens qui soient entre toi et le président de la République. Ce qui est important pour moi, est-ce que tu peux nous aider à sécuriser le pays? Et ça, tu le fais déjà. Et moi, j'aurais souhaité qu'au nom de ce seul facteur-là, tu puisses être là pour que nous, on ne tue pas nos parents. Chacun a un choix qu'il doit faire dans la vie. Mais, comme je l'ai dit, Sidi Touré, Mamadou Touré, Sansan Kambilé, et puis il y a un quatrième là, j'ai oublié, Kone Bruno Nabagné. Vraiment, vous avez été complètement défaillant dans vos responsabilités. Et si le président vous reconduisait, nous allons vivre ça comme une prime à l'échec et une prime à l'inefficience qui serait encouragée. Et ça va beaucoup nous décevoir. Et je dis merci à tous les élèves de la classe. Restons nous-mêmes. Ceux qui savent critiquer peuvent critiquer. Surtout, je dis merci à ceux qui mettent les têtes de mort. Vous savez ce que j'ai créé, le journal de la honte. Le lendemain ou quelques heures après, vos têtes vont défiler et on vous verra. Et après, je vous bloque. Et donc, nous, on est trop à l'aise. Et puis, vous ne pouvez pas nous bloquer. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous dise. Parce que notre vérité, on la dira. Et on ne regarde pas les yeux de quelqu'un pour le dire. De la même manière qu'on est dur avec les gens de Soro, faut qu'on soit dur avec les gens du FPI, faut qu'on soit dur avec les gens du PDCI. C'est ça. C'est ça que nous voulons. Même si moi-même éclaireur, on m'a attrapé dans désobéissance civile, qu'on me juge. Ou bien si je viens tenir des propos pour inciter à la haine, il faut qu'on m'interpelle comme ce qui a été fait pour Mamadou Traoré. On ne peut pas continuer. Mamadou Traoré, à mettre la vie des Ivoiriens en danger face à des ignorants que la junte a fait sortir pour surexciter. Vous ne pouvez pas constamment faire menacer la vie des Ivoiriens et espérer tirer des avantages de cela. Je vous dis, chers élèves de la classe, merci beaucoup à vous. Je salue encore le docteur Meite Youssouf. Je salue aussi notre aîné Kobarga Silué. Je salue notre mère Djeneba Ouattara. Je salue notre aîné Mam Biram. Et je salue aussi tous les élèves de la classe, sans oublier notre mère Céline Peugeot. Et aujourd'hui, nous le disons, les Mao ont encore fait une nouvelle chanson. Les Mao ont encore fait une nouvelle chanson. Et c'est avec cela que nous allons nous séparer ce soir. Toujours en hommage au président de la République. Je vous dis merci, que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde toutes ses grâces. Bonjour, éclaireur. Je voulais rendre hommage à mon président. Mais tout d'abord, je voulais saluer les Mao et les Chao en mettant l'accent sur Machata Blanc, Madame Kanté, le roi du printemps et Sundiata pour leur disponibilité et leur apport pour la cause de la patrie. Monsieur le Président, permettez-moi de rendre hommage aux efforts admirables que vous déployez depuis votre avènement à la tête de notre très chère patrie. Vous avez fait face aux défis de tout genre en utilisant les meilleures manières possibles, entre autres le dialogue obstiné pour la recherche incessante d'un terrain d'entente. Bien sûr que ce n'est pas chose facile et les actes des ennemis de la nation sont légion et palpables. Ne dit-on pas que mépriser un grand homme pour les moins que rien est le moyen d'essayer de parvenir à sa hauteur? Monsieur le Président, il y a un proverbe de chez nous qui dit que, et je cite, « Ni tarama maba brofifa deba », ce qui veut dire approximativement, tant que la marche ne finit pas, on ne cesse pas de balancer les bras. Monsieur le Président, comme vous le dites toujours, faites-moi confiance et nous vous faisons confiance. Monsieur le Président, tous mes voeux vous accompagnent.
pour mener à bien votre mission divine. Monsieur le Président, Ambiko. Un homme a révolutionné la Côte d'Ivoire, son nom restera immortel. Les plus merveilleuses pages de notre histoire vont à cet homme universel. Nous vous avons désigné, Excellence Ouattara Alassane Prado, promoteurs émérités de l'émergence de notre beau pays. Pour votre bon courage et votre fermeté, vous méritez l'hommage et la prospérité. Vous dont chacun contemple la magnanimité, nous suivons votre exemple jusqu'à l'éternité. L'Afrique toujours vous vénérera, valeureux président du RDR. L'Afrique toujours vous vénérera, valeureux président du Côte d'Ivoire.